Alors. Tu tires un peu à gauche. Voilà. Oh! Ça filme au moins, ouais, c'est bon. Trop court, trop court. C'est bizarre, pas ces buggy truggy nous voit celui-là. Tu m'étonnes. Putain de flot. Lutin de flot, on dit. La caméra, elle filme, alors on dit lutin. Et on dit mercredi. C'est lutin du mercredi. On déterre quand même de plus en plus de caillasses. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on a les X-Max. Thank you.
Nul, man, nul. Bouh. Mais normalement, il y en a, mais ils ont perdu la tête. Ah, merde. Ah ouais, regarde comme ils vont. Il y en avait deux, mais ils ont vomi. J'ai la tête à la maison. Ah, mais c'est un bel ange. Ah, ça c'est. C'est pas mal. Ah, puis la conduite avec un pont derrière, c'est pas pareil. Hein? Comme il y a un pont à l'arrière, c'est pas pareil à conduire. Ouais. Mais c'est un diff qu'il y a dans le fond, c'est pas bloqué. Bah tu as soit bloqué, soit diff, moi j'ai mis un diff là. Moi j'ai mis un diff là. Putain mais bloqué ça doit être quelque chose. Hein. Bah en fait tant que ça glisse c'est pas un problème. Ouais ouais non mais après. Parce que tu drifts bien, mais dès que t'es dans l'herbe après tu. Et après tu stresses beaucoup le train arrière aussi. Pour ça, rien que pour ça j'ai mis un diff. Puis t'as quand même, tu gardes le même comportement, tu vois, il glisse toujours. En plus, t'as gardé les roues derrière tout, t'as fait de quoi. Il y a beaucoup qui croient que s'ils enlèvent les roues, ça va mieux, mais c'est pire. Parce que dès que tu tapes une ornière, tu sais, le cul il monte plus vite. Ah ouais, donc il t'enlève les cieux, et du coup, tu perds le cul en fait. Ouais. Il te faut la masse, justement, à l'arrière. Ah non, c'est une machine. Pour ça, tu vois que la suspette, elle reste au sol, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est sympa. Ouais, quand il y a plusieurs avec des trucs comme ça, c'est compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ici, ils font 7 minutes à l'avant. Avec des shorts comme ça. Ouais, avec celui-là, là. Bah, c'est bien, hein, franchement, pourvu que ça se développe. Hein. Bah, ils sont déjà passés de 13 à 60 membres. Ah ouais. Ah oui, oui. Mais avec les deux rassos, on a pu payer le conteneur. Ah oui, oui, vous avez une tireuse et tout dans sur place, ouais. Avec merguez, quoi, ouais, tout y avait le bazar. Il y avait tout pour le reste. Bah, tu vois, c'est ce qu'il n'y a plus qu'à, c'est ce qu'il a mis dedans, il n'y a plus qu'à. L'histoire, c'est qu'ils avaient un conteneur frigorifique, ils l'ont acheté. Ouais. Et en fait, ils avaient mis une butte derrière. Ah ouais, avec un petit... Ah, moi, je ne connaissais pas du tout, j'ai vu seulement sur les vidéos Papa RC, mais chaque fois, depuis le début qu'il y va, il n'y a jamais personne. Non, non, mais le problème, c'est que c'est que des anciens. Ouais. Que des anciens. Mais ça fait combien de temps que c'était là-bas, ça? Il n'y a plus qu'un. Ouais. Bon, ça fait au moins 10 ans. Ah ok, tu vois, moi je ne connaissais pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a 10 ans, les gars, la plupart des membres avaient déjà plus de 50 ans. Mmh. Donc, et c'était beaucoup mini-Z, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais pas bah, tu connais aussi les gars du Sungo mini-Z, alors? Bah, j'ai fait une course. Ah, là. Voilà. Ouais, ouais. Papa RC, il va où il n'y a plus qu'un. Bah oui, parce qu'il y a personne. Ouais, mais il va Pierre. Enfin, il a pas. Bah non, t'as pas besoin de payer. Au Sungo, il voulait que je m'inscrive. Bah oui, oui. Première manche d'Alsace, j'arrive deuxième.
Allez. Je me viens donc à Mulhouse et tout. Je fais, ah, putain, ouais, mais c'est loin. Ben, c'est surtout là-bas derrière où ils sont. Après, j'ai vu même moi vidéos, pour y aller, zig zig zag zag. Hein. J'ai vu ce que tu disais, les gars. Je sais plus ce que tu dis, mais en gros, si vous voulez faire de la RC, faut bouger. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais après, Loïc, maintenant, le nouveau président, lui, veut se bouger, tu vois. Ta gauche, ça avance là. Ouais, ouais, Guillaume m'a parlé de ta gauche, ça. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait un dixième moquette. Ah, mais j'attends que ça, moi. Moquette TT. Ouais, ouais, un peu comme un MVHS, un peu plus grand, je dirais. Enfin, elle est plus grande, la piste. Il n'y a plus personne, je suis débranché, moi. Ça n'arrive plus à rouler. 50e pack de la journée. Allez, j'en ai fait 22, là, et je commence aussi à avoir du mal. Hein. Ah, bah, mine de une journée comme ça, tu dors bien. Franchement, ça te vide la tête. Ah, c'est ça, complètement. Ah non, c'est... Et c'est ultra efficace. Bah ouais, ouais. Et c'est solide. Ouais, parce que l'UDR, il te le vend 850, ça vaut 650. Il est beaucoup plus solide que l'UDR. L'UDR, c'est quoi? C'est le Lozi. Hein. C'est non, Traxxas. Ah, Lozi, alors eux, ils ont fait des tailles bizarres. Ils ont fait un dixième qu'ils ont rallongé jusqu'à 380 mm. Donc à la base... Une mécanique prévue pour un indice de, on va dire, 300-325 mm, ils l'ont rallongé à 380-400, le truc il fait 4 kg, oh. Mais t'as les diffs du indice et le petit moteur en 3S. Oh non, ça va pas. Donc voilà. Après ils disent oui, mais c'est pour rouler maquette. Ouais. Ouais, mais il vaut aussi 650 balles, tu vois. Achète au gamin, rouler maquette, ils sont balés. C'est ouais, c'est ça, voilà. Et après ils ont fait le super Rocret ou super Bajaré que Eddy il avait avec. Ouais, hein. Le bleu, là. Ouais. Ouais, ça c'est la taille au-dessus. Bon, ça c'était impressionnant à voir rouler. Ouais. Mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule sorte de pneu. C'est ça. T'as que les pneus livrés avec et ils sont trop mous dans tous les virages, le truc qui part en couille. Tu pouvais pas les durcir. Non. Rien. Et puis là, pour cette taille-là, ou UDR, en fait, t'as au moins 7 ou 10 gommes différentes, tu vois. Donc là, c'est les origines. Mais il faut des pneus qui glissent sur les SC. Il faut qu'ils soient durs pour pas bainer. Et il faut que ça glisse un minimum. Bah ouais, non, mais là, il est bien, dès que t'as trop de grip, c'est mort. Il faut pas trop de grip avec ces anges-là. Et t'as essayé les cacapics qu'ils font là pour soi-disant Moyave et compagnie? Ouais, ouais. Ouais, je les ai à la maison, ils sont bien. Bah, ils accrochent à mort. Hein. Ah, mais ils accrochent. Ah, hein. Ils accrochent. C'est à ceux qui aiment pas se renverser dans les virages, ils sont morts avec ça. Hein. Dans la terre, c'est top, tu vois. Après, dans l'herbe, ça accroche trop. Ouais, voilà. À la limite, hein, tu les mets devant, tu sais, tu mets les valets derrière et les autres devant, quoi. Et leur gomme piste, elle est bizarre parce qu'elle est hyper souple. Ouais, tu peux pas. Ouais, tu peux que rouler quand il pleut. En fait. Mais par contre, après, elle va super bien dans l'herbe. Dans l'herbe, ça va bien après. Et puis, il fait comme 7 kilos le bébé, tu vois. Non, 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 mais il est bon. Il a un petit comportement, effectivement, maquette, quand tu le vois évoluer, quoi. Il est sympa. Il s'écrase, il encaisse, là. Il est cool, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Quand il soit là, là, il s'en prend. Ouais. Il est pas tendre avec. Voilà. Ah, ce que j'adore, c'est la suspecte comme elle encaisse le terrain. Quoi. Ouais, t'as la ligne... ça, dès que t'es... Bien, ouais. Et dès que t'es trois quarts plein gaz sur la ligne droite, il bouge plus le machin. Il a fait la misère bugger au truc. Tu vois là, quand tu mets plein gaz, il fout pas le camp, tu vois. Mais il s'écrase même de l'avant. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Tu vois. Et tu arrives à faire la ligne droite pied dedans, quoi. Après, ça, c'est l'avantage du pont, t'as la masse qui reste par terre. L'inconvénient, c'est quand tu pars en carouette. Ça part complètement. Là, la masse, elle t'emmène aussi. Yes. Là, c'est parce que j'ai enlevé les têtes des pilotes, tu vois. Il y a moins de poids vers le haut. Ouh, ça c'était limite. Un peu trop à droite. Mais il m'a l'air vachement plus violent dans ce sens-là. Ah oui, mais il est plus raide. Le circuit, il a l'air... T'as moins l'habitude. Elle est dedans. La peinture est dedans. La peinture est dedans. Si t'avais vu l'autre carreau dans l'état où elle était. Ouais, non, c'est normal, elle était trop moche. Ah, la carreau d'origine, horrible. Ah, c'est pas d'origine ça. Oh, non. La carreau d'origine, en fait, ils l'ont fait. Tu sais, comme t'as vu le bleu moucheté qu'il avait.
James avant. Oui, oui, oui. Et ben ça, moi j'avais pris en rouge. Ah. Donc rouge avec des taches blanches dedans. Voilà. Mais c'est horrible. T'avais l'impression que le mec il a. Ouais, il lâche plus. Dégueulasse. Du coup on était pas sympa avec. Oui, il a détruit. Ouais, mais elle a tenu beaucoup plus longtemps que les autres. Hein. Que Traxa, c'est ah, oui, bah. Horizon ou Bill. Ça aussi, hein. Ah oui. Horizon Beat sur les carrosseries de la boîte, elles sont déjà fendues. Sur les super bajarets là. Ouais, puis c'est cher. Ouais, j'ai acheté du Lozi là parce que j'aimais bien. Mais c'est plus cher du marché, même X-Ray c'est moins cher. Ouais, ouais. Ouais, le... l'air 22 Elite. Oh. Ouais, Lozi ils ont fumé la moquette. Ouais, hein. Ouais, ouais, c'est 690 euros, c'est pardon. C'est à la dixième, hein. Ouais, deux roues motrices quoi. Non, c'est le 4x4, ouais. Et puis les radios, c'est plus que c'était non plus. Bah ils ont les Spectrum maintenant avec. Ouais ouais ils ont plus Spectrum, ils ont plus tout. Hein. Ils ont pris Controller, ils ont pris Axial, ils ont pris il y avait une autre marque, Element. Ouais ouais. Mais Element est chez Timasso maintenant. Ah elle est chez Timasso. Ouais. Et là du coup t'es tranquille parce qu'ils sont pas chers et ils sont bien équipés. Ouais hein. Et les plastiques Timasso sont top. Ouais ouais. Enfin je sais pas si ça a changé depuis mais... Non non c'est... Ouais ouais vous avez... Non ils sont bons hein. Moi je roulais en RC8 à l'époque, j'ai jamais cassé de prix, ouais. jamais. Je l'ai changé parce qu'à un moment donné, l'axe était 4 ouais. mm, il avait 8 mm d'espace. Ouais, c'est ça, ouais. Je mis dedans. Hein. Ouais, ouais. Tu veux régler, pas la peine, il serait tout seul. Ouais. J'ai la peine d'essayer. Ouais, ouais. Auto-adaptatif. Allez, reviens. Dans le mauvais sens. Il va le redresser, je vais faire coupure, ça. Ouais, ouais. C'est quoi le 6S hein. Ouais, ouais. Ouais parce que là tu roules pas, t'as pas besoin de 8 pour rouler envoyer sur les sauts et tout. Ouais l'avantage ouais si tu mets 8S avec un moteur qui tourne moins vite tu vois, tu gagnes en autonomie, en chauffe. Ouais mais toi t'as cette théorie là. Non mais la coupure c'est le pilote je crois. Hein. T'as cette théorie là de mettre plus gros pour ouais. Chauffer moins. Bah c'est pas une théorie c'est un fait, regarde les scooters, les motos ils ont des voltages, regarde Tesla. Ouais. Ah, oui. Ils roulent pas avec 50 volts. Hein. Non. Ils roulent avec 3 fois rien de carré et par contre des volts de gogo et du coup tu consommes que dalle. Chauffe pas, mais même en compète, il commence en GT8, il commence à en avoir marre du 4S, hein, il commence à faire du 6 là. Ah ouais? Parce qu'il y a un nouveau, apparemment, truc de France, là, au championnat de France, enfin FFRC, là, côté français, un jeune, et il a poussé un petit peu la chose pour que les gars ils puissent rouler en 6S, en GTB au moins, tu vois. C'est avec les châssis longs. Ouais. Parce que les mecs, ils roulent, non, ils sont juste GT, les GT normales, c'est 325 mm comme un buggy 1.8, ouais. Et GTB, c'est l'anthrax d'un truggy. Ok. Donc en fait t'as les trains de buggy sur un truggy, tu vois, ouais, c'est tout. Mais les mecs et avec du 4S 10000, ils avaient du mal à faire les 8 et les 10 minutes. Tellement ils consomment, ils ont des varios à 250 ampères dans les 1/8. Donc ça c'est du suicide. Bah moi qui me remets à 10e là, j'ai un outil là. Comme dit, j'ai déjà fait un engin complet. Ouais. Case, mais putain, j'ai vu des varios à 1/10 de 100 ampères. Non, mais ils sont malades. Hein. 100 ampères, coupure. Déjà j'aimerais bien voir si... Parce que ta batterie elle les sort pas. Non. C'est pas possible, une 2S... Non, tu les massacres, les mecs ils ont les batteries bouillies en un week-end de course, les batteries les jettent. Quand ouais. Ils les reçoivent des sponsors et après ils les revendent. Mais elles sont rincées. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et des fois tu vois, j'ai vu une manche, le mec il arrive au bout de la ligne droite. Putain il arrive en coupure hein, le truc quoi, le mec il a pété un fusible. Hein. Et même sur le circuit on arrive, on leur dit mais roule en 6, ouais mais en 6 ça sert à rien, tu gagnes pas au chrono, tu vas pas plus vite parce que t'as trop de puissance pour passer. Je dis oui mais... Parce que vous laissez le même moteur, le même pignon. Bah, là, tu es en 2200 kV en 4S, moi je mets 1406. Je vais à la même vitesse. Ouais. Sauf que je roule 25 minutes. Ah, tu fais le calcul. 25 minutes, c'est tiède. Et toi, t'as cramé. Ouais. Ça, c'est la différence. Surtout en été après. En hiver encore, ça va, ouais. Tu vois. Mais en été, les mecs, ils dessoudent les côtes tellement ils chauffent. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais.